Alexis Simon. Je vais vous rejoindre. Bonsoir et bienvenue dans cette émission incroyable. Ce soir, une émission gigantesque sur un BUT en chimie biologique, parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Tout de suite, je passe la main à un convoyeur spécial, Marie Guignot. En effet, Nelson, je me trouve actuellement dans le bâtiment H de l'UT de Sénart-Fontainebleau, sur le site de Moissy-Cramayel, où se trouve notre fameux BUT GBSEE. Il se réalise en 3 ans et permet de devenir technicien supérieur, même si une poursuite d'études est envisageable, comme en master ou en école d'ingé. À présent, je me dirige vers le Learning Lab, qui est la pièce centrale de l'UT, où les étudiants mangent et travaillent. À présent, se trouve à mes côtés un étudiant de deuxième année prêt à nous expliquer ce qu'il fait dans le cadre de son but. Alors dis-moi, sur quoi On a coupé un peu violemment. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexis Simon, je suis chef de département pour le département génie biologique à l'UT Sénart-Fontainebleau. Donc, c'est la troisième année qu'on participe au concours Je filme la formation et c'est toujours avec grand plaisir qu'on fait travailler nos étudiants sur cette thématique. Nous, au département, en tout cas, on est très impliqués sur la partie orientation, y compris sur le pré-bac, puisque en faisant partie des cordées de la réussite avec 15 établissements, on a pu faire le constat que ce soit dans les établissements partenaires, en collège ou en lycée, souvent il y avait une bonne méconnaissance des métiers réels qu'on pouvait faire. Par exemple, nous, on est surtout dans le domaine donc, de la biologie, avec un parcours diététique et nutrition et avec un parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Et souvent, quand on demande qu'est-ce que vous voulez faire en biologie, on va nous répondre médecine. Donc après médecine, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas trop. Et donc du coup, c'est très important qu'on leur transmette cette information, de dire, bah, voilà, si jamais ça vous intéresse, tout ce pan de métier existe également. Donc ça passe, quand on est un adulte et qu'on leur dit, ça passe moyennement. Mais quand ce sont des étudiants qui le disent à des élèves, tout de suite le message il est différent parce qu'ils ont leur code, parce qu'ils savent comment les toucher. Et donc on a vraiment à cœur voilà, d'avoir cette ouverture, de donner des perspectives en tout cas, et en plus notamment au public féminin qui des fois a mal à se projeter sur les thématiques scientifiques. Et c'est pour ça qu'on est très très content de participer à ce dispositif, donc je filme la formation. Donc nous, dans le cadre de nos enseignements, on fonctionne énormément par projet, et notamment au niveau du BUT, on a tout un pan qui travaille sur le projet personnel et professionnel, puisque c'est quelque chose, comme c'est une formation qui est professionnalisante à l'issue des 3 ans, qui a pour objectif, du coup, après, à insérer sur le monde du travail. Et pour s'insérer sur le monde du travail, on a quand même besoin de savoir qu'est-ce qui est accessible à la suite. Et donc, nos étudiants, pendant ces 3 années, ils vont travailler leur projet personnel, ils vont travailler leur projet professionnel, ils vont se poser des questions de savoir quelles compétences ils développent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire derrière. Et ça va leur donner un cadre qui va permettre de pouvoir après le transmettre. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Donc toute l'équipe pédagogique est très investie auprès des étudiants pour justement leur donner les clés qui leur serviront après à créer ce type de film, notamment notre enseignante en communication, donc Cécile Seigneuré, que je salue parce qu'elle est très très investie sur ces projets-là. Et en fait, on a intégré directement Je filme ma formation dans le cadre de nos cours et de nos projets, justement, à partir de la deuxième année, où tous nos groupes d'étudiants, que ce soit en diététique et nutrition ou en sciences de l'environnement, vont participer, vont constituer des groupes et vont participer du coup au concours. Pour eux, c'est très important de donner envie à d'autres de faire leur métier, de faire la formation, parce qu'ils en sont très contents. Mais aussi, un point qui a été souligné, et je voudrais revenir encore dessus, c'est que pour les étudiants eux-mêmes, la participation à ce concours, ça leur permet de développer plein de soft skills, donc plein de compétences transversales, de communication, de réflexion sur eux-mêmes, sur ce qu'ils vont faire, qui après leur est bénéfique dans le monde professionnel. Et enfin, donc pour arriver sur la dernière partie, qui est vraiment l'aventure en elle-même, les étudiants, ils sont vraiment investis de bout en bout, de réfléchir de quelle manière originale est-ce qu'on va pouvoir réussir à présenter ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, quels sont les moyens de communication, en tout cas, qu'ils ont envie de pouvoir promouvoir dans leur film. Et tout dernier moment où ils sont justement au Grand Rex, à voir leur film, s'ils sont sélectionnés, qu'ils sont présentés sur le grand écran, pour eux, ça a été vraiment une explosion de joie. Quand ils ont été du coup récompensés en trophée or, vraiment, ils n'y croyaient pas, ils étaient vraiment, à la limite, pas choqués, mais en tout cas, ils étaient vraiment émerveillés, en tout cas,
de leur récompense, et ils étaient, en tout cas c'est un sentiment que je trouve qui est très très positif dans ce dispositif, c'est qu'ils ont été très valorisés dans leur prise d'initiative et dans leur travail par ce dispositif. Voilà. Donc nous en tout cas on n'en tire vraiment que du positif sur tous les aspects de toute la chaîne, et puis on est très content de participer du coup l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.